Hello tout le monde. Je suis là pour vous faire un haul, mais contrairement aux autres personnes qui vous font des hauls, le mien c'est différent parce que j'ai rien acheté, j'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Déjà, de toute façon, j'allais pas vous racheter ces choses-là parce qu'il n'y a ni Zara, ni H&M, ni Mango chez nous. Il n'y a rien de ces entreprises-là, de ces magasins-là chez nous. Et de toute façon, quand vous allez sur le site pour commander, vous placez votre commande, toutes ces choses-là, et quand vous mettez votre adresse, on vous dit qu'il ne livre pas en Haïti. Alors, vous voyez comment c'est difficile pour nous de pouvoir acheter ces articles-là. Mais moi, j'ai tout reçu et je suis super, super contente parce que j'ai pas encore commencé mes achats pour l'été. J'ai reçu de super beaux trucs. Alors, je me suis dit pourquoi ne pas faire un haul et vous montrer tout ce que j'ai reçu. Parce que déjà, c'est la saison. Tout le monde fait des hauls avec les soldes qu'il y a à l'étranger. Tout le monde fait des hauls. Je vais vous montrer les articles. C'est beaucoup. Il y a des trucs que je vais garder et d'autres que je vais donner parce que c'est pas ma taille. Mais parce qu'il y a comme article, j'ai reçu ces deux rouges à lèvres. C'est un petit nude, je peux dire, un petit rose pourpre. Voilà. Et ce rose là, ce que j'ai dans la bouche, je les aime beaucoup. Le packaging, il n'y a rien de si génial, mais c'est de la mode de Avon, même si ça n'existe plus à ce que j'ai cru entendre, mais ma maman sait que je les aime et alors elle me les a offert pour le début de l'été. C'est de Avon et c'est vraiment super. Regardez dans ma bouche, ça a un petit effet brillant, mais ça sent bon et c'est super top. Même si la chaleur commence déjà à les faire subir, regardez. C'est génial. Deuxièmement, j'ai reçu des lunettes la semaine dernière. Je les kiffe grave. J'ai passé toute la semaine à les porter. Je les trouve vraiment canon pour cet été. Déjà que ça prend une grande partie de mon visage. J'ai aussi reçu deux petits sacs de la marque Double G. C'est pour l'été, ils viennent de sortir cette petite collection là, de petits sacs. Voilà. Il y a des élastiques que je trouve très mignons sur le côté. J'aime le tissu, mais je trouve que c'est trop petit. Parce que ça va prendre beaucoup de choses. Je les trouve assez petits. Mais j'adore le petit concept. Pour aller à la piscine, on peut mettre ces trucs là pour sortir. J'adore le concept, même si je trouve que c'est trop petit d'après moi, parce que ça va pas prendre beaucoup de choses. Mais j'aime, compte faire. J'en ai reçu deux. Peut-être que je vais en donner un. On ne sait jamais. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je donne un, que je fasse gagner un à un de mes abonnés. Passons aux habits. Voici le paquet. C'était rempli. Et c'est marqué Stradivarius. Même si tous les articles ne viennent pas de là, je ne sais même pas s'il y a des articles qui viennent de là. Je ne connais même pas ce magasin-là. Pour vous dire, il n'y en a pas ce magasin en Haïti. Mais passons, les articles vous allez voir. J'ai reçu une sorte de sweeper de chez Gap. Voilà. Mais je ne pense pas que je vais le porter pour le moment à cause de la chaleur. Peut-être au début, à la reprise des cours, en septembre, en octobre, il va faire un peu froid. Je vais peut-être le porter. C'est de la mode Gap. Voilà ce que ça donne sur moi. Voilà, les mains sont assez longues. Voilà. C'est ok. Et je kiffe. Ça me va super. Ensuite, il y a ce haut-là. C'est un tissu assez fin aussi. Qui vient de chez Miss Royalty. Je sais pas. Je connais pas la marque. Voilà, comment c'est sur moi. C'est pas trop collant. Et c'est fin comme tissu.
Germos. Il y a ensuite ce haut là. Est-ce que vous voyez? C'est encore de chez Miss Royalty. Je sais pas ce que ça donne. C'est marqué City of Los Angeles. Et c'est assez fluide. C'est très fin. C'est pas quelque chose de. Le tissu est très fin. Comme pour les autres, j'adore. Il y a ensuite ce orange là, c'est un t-shirt Lacoste. Je ne sais pas, mais je ne compte pas. C'est de Lacoste. Mais je ne pense pas porter ce t-shirt là pour l'été parce que le tissu est assez riche, si je peux dire. C'est un orange, je ne sais pas comment ça rentre dans la caméra. Mais c'est un orange. Je ne pense pas porter ce t-shirt pour l'été. Je vais laisser ça pour les cours, la reprise des cours à la fac. Ensuite, ce haut-là. Je ne sais pas si c'est un blanc vraiment, oui, si c'est un blanc cassé. Je ne veux pas dire que c'est un blanc. C'est de chez Zara. Ça vient de chez Zara. C'est parfait pour l'été. Il n'y a pas de manche. Assez décolleté. Ensuite, encore un haut. Qui, à ma grande surprise, a notre emblème, l'emblème qui est sur le drapeau de mon pays. Mais c'est un t-shirt qu'on va faire en Haïti. C'est de The Favorite Tea, Local Nation. Il y a ça à l'œil. C'est très joli. Encore un autre haut de chez Express. Assez décolleté, c'est d'un bleu roi, très beau, très joli et qui va bien avec mon teint. Et le dernier haut, c'est celui-là. Il faut vous dire que j'aime beaucoup ce genre de tissu. Regardez la couleur. Et ça vient de chez Banana Republic. Carrément joli. N'en passons pour les bas. Il y a ce petit short en jean. C'est pas en jean, c'est en tissu. C'est noir. Ça vient de chez H&M en tout cas. Après, il y a ce jeans là qui vient de chez All Navy. C'est un bleu blanc cassé. Je ne peux pas dire quelle est la couleur. Et après, il y a celui-là qui vient de chez H&M aussi. C'est noir à rayures. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai reçu. Il y a des trucs que je ne vous ai pas montré parce que je trouve qu'ils sont trop larges pour moi, trop grands. Je vais les donner. Et ce sont des jeans très longs. Mais voilà en gros ce que j'ai eu pour le moment, pour ce haul-là, qui j'espère n'a pas été vraiment trop long parce que je n'ai rien encore acheté. Je compte commencer en juillet. Mais voilà en gros les hauts, les shorts, les jeans et ce petit combi là que j'aime beaucoup avec ce sac là. Je les kiffe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter, de partager et de me dire en commentaire quel article avez-vous le plus aimé, ce que vous avez fait comme folie pour les soldes. Quelles autres vidéos vous voulez voir pour la semaine prochaine, des idées. Si vous n'êtes pas encore sur mon Snapchat, alors venez me retrouver parce que vous serez les premiers avertis des vidéos que je vais faire, des vidéos demandées. Vous pouvez...